Visite dans le gouvernorat de Monastir et ici à Montfleuriette et la visite de Léonie. Léonie, évidemment, est, je peux dire, la grande dame des investisseurs, des investissements allemands en Tunisie. Le nombre d'employés surtout ici à Monastir est très impressionnant et je viens de voir cette usine qui envoie est le top de la production et j'espère qu'on verra dans l'avenir encore plus d'investissements allemands, certainement aussi dans le secteur de l'automobile, mais l'automobile n'est pas le seul. Je crois que la Tunisie offre toujours de bonnes opportunités d'investissement, la main d'œuvre qualifiée, les jeunes gens engagés et motivés. Ce qui est un peu décevant, c'est de voir ici ce qui devait être une zone industrielle ne pas se développer. Et je comprends que c'est un problème aussi pour Léonie. Qui manque de certains services de rattachement de cette zone. Peut-être les responsables du gouvernorat, mais aussi du gouvernement central, devraient venir voir cette usine pour se rendre compte ce qu'on peut faire et les belles réussites qu'on peut réaliser. Et a priori, je crois que cette zone a le potentiel vraiment d'un développement industriel au-delà de Léonie. Je crois que la pandémie a montré à beaucoup d'entrepreneurs, surtout en Europe, qu'ils devraient s'orienter à trouver des investissements, des implantations plus proches de l'Europe. Donc il y a, je crois que c'est un moment à saisir pour la Tunisie. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des alternatives pour leurs usines lointaines en Chine, en Asie et ailleurs. Et la Tunisie offre tous les avantages. Il faut réussir à améliorer le climat d'investissement pour attirer ces investisseurs ici en Tunisie.